Radio Topside, vous donne l'heure. Il est 18h. Vous êtes à l'écoute de Radio Topside. Un grand bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir sur Radio Topside, il est 18h, nous sommes samedi et non pas dimanche, l'émission Happy Weekend, eh bien, non pas nouvelle version, mais une émission tout à fait spéciale, puisque, en plus de notre ami Stéphane qui a pris la place de Didier, nous accueillons aujourd'hui Patricia et notre ami Mathias, nouveau partenaire de Radio Topside. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bienvenue. Oh, tu peux tirer un peu le micro. Ça va être beaucoup plus simple pour parler. On est super heureux de vous avoir sur Radio Topside. C'est vrai que eh bien, vous avez eu l'habitude ces derniers temps de faire déjà un petit peu de radio, histoire de se chauffer un petit peu. Bon, on parlera des choses qui fâchent sur la deuxième heure. Stéphane n'a pas dit un mot, il n'a même pas dit bonjour. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Hein, on parlera des choses qui fâchent et on mettra un petit peu des cartons rouges sur les gens sur la deuxième heure. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être dangereux parce que je crois que si on commence à se défouler, je ne suis pas sûr si on va arriver à se tenir. Ça va être très chaud. En tout cas, on est content d'accueillir nos invités de ce soir. Bienvenue à cette émission spéciale. Merci. Une émission spéciale avec Mathias. On peut parler d'A pas peur quand même, hein, puisqu'il est là pour ça. On va en parler largement. En tout cas, ça sera pendant 2 heures et pour notre plus grand plaisir, en direct sur Radio Topside, émission spéciale. Si vous avez manqué le début ou la fin, eh bien rassurez-vous, elle sera podcastable d'ici demain sur le serveur de Radio Topside. Et puis, si vous l'avez manqué, vous l'aurez en rediffusion demain soir, puisque vous le savez, demain soir, c'est normalement la dernière de la saison de l'émission Happy Weekend. Voilà, nous aussi, on prend un petit peu des vacances, comme beaucoup d'animateurs qui en ont pris déjà cette semaine et que vous retrouverez à partir du mois de septembre. Donc on peut dire bonjour à Didier, même si je lui ai piqué sa place ce soir, je lui pique pas ses platines, mais puisqu'il est en vacances, un grand salut à toi Didier. Eh bien, c'est avec grand plaisir que l'on retrouvera Didier. Il nous parlera d'ailleurs de ses vacances, des vacances qu'il a passées en Italie, sur les plages de Rimini, si mes souvenirs sont bons. Donc on en discutera tout à l'heure. En attendant, la musique est au rendez-vous, vous le savez, sur Radio Topside. Comme lors de toutes nos émissions, vous allez avoir la possibilité de découvrir des morceaux nouveaux, anciens, et puis petits flashbacks avec des clips vidéo que vous retrouverez et qui seront mixés tout au long de ces 2 heures. Tout de suite, c'est Weekend Co. avec... encore une surprise de l'année de 1983 pour démarrer cette émission. 18h passé de 17 minutes, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent de nous rejoindre, notamment les curieux que l'on a invités grâce à Facebook. On va parler de notre invité. Notre invité, eh bien, c'est Mathias. Mathias de la société A pas peur. On va pas dire de la société. Si, c'est une société. Oui. Alors, présentation, mon cher Stéphane, de Mathias et de sa société A pas peur. Eh bien, écoute, nous sommes heureux donc ce soir d'accueillir sur les ondes de Radio Topside Mathias Murator, qui, jeune entrepreneur, a eu cette initiative de pouvoir créer une société sur la Riviera française, hein, et donc qui cherche actuellement d'ailleurs à se développer au niveau national, sinon international, et de pouvoir présenter ses collections chaque année renouvelées, afin de faire vivre, j'oserais dire, le milieu de la nuit. Parce que je pense, Mathias, que le créneau aujourd'hui est un créneau de la jeunesse, est un créneau de la nuit, et c'est un créneau qui aujourd'hui a besoin sans cesse de renouvellement. C'est ça. C'est vraiment le club, les boîtes de nuit, la fête, comme ils disent tous, la night, voilà. Alors, peut-être une question pour débuter, parce que le slogan de la boîte, c'est « A pas peur », mais d'où ça vient? L'éternelle question. On aimerait bien savoir, nous sommes même bien sur curieux. Radio Topside, nous sommes c'est curieux. Vrai, c'est vrai. Bon, alors, la vraie version, la vraie fausse, si tu veux. C'est interview exclusive ce soir. Bon, alors, la vraie raison. Non, parce que alors la fausse, ça sera un autre sujet où nous inviterons d'autres personnes. Pour la deuxième heure, tu as dit. Ouais, par exemple, voilà. Voilà. Alors, concrètement, d'où vient ce mot, à pas peur, et pourquoi il est arrivé comme ça dans les clubs aujourd'hui, hein, on en parlera tout à l'heure, et principalement sur les gens surtout. Oui, c'est plus important plutôt. Non, si tu veux, le délire, c'est parti d'un délire en fait de sport auto, de voiture de course, où on mettait les autocollants à pas peur pour se donner du courage en fait. Ah oui, sur les rallyes, les courses. Voilà, sur les rallyes, voilà. Et c'était, je ne sais pas de bêtises, en 2008, je crois. J'ai fait le rallye d'Antibes en championnat d'Europe.
Et j'avais mis en gros sur la voiture l'autocollant à vapeur, et tout le monde criait la voiture à vapeur, à vapeur, à vapeur. Puis après, j'en ai fait une marque de fringues pour kiffer, en fait. D'accord. Voilà. Mais alors, peut-être, à vapeur, ok, aujourd'hui, c'est une marque reconnue, faut être honnête. J'ai eu l'occasion de t'accompagner en compagnie de Patricia qui est là parmi nous ce soir, et avec aussi les animateurs de la radio, avec Jérôme et Christelle, dans un peu dans le milieu de la nuit. Et c'est reconnu, la personne est reconnue, mais la marque est reconnue elle aussi. Disons que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que la marque soit reconnue. La personne, à la limite, je suis pas là pour être la star. Ce qui m'intéresse, c'est la marque. Voilà, après que je sois connu, reconnu, c'est gentil, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est la marque d'abord. Ce qu'il y a d'extraordinaire d'ailleurs, si tu permets Mathias, on se connaît quand même assez bien, alors on va faire partager nos auditeurs, pas de confidences, mais en tout cas d'échanges de points de vue que nous avons eu en radio, mais qui montrent un peu que lorsqu'on te voit déambuler, j'oserais dire, avec quelques guillemets la nuit, en compagnie d'un certain nombre d'animateurs. Alors, pour ceux qui auraient manqué l'épisode hier soir de la brasserie de Monaco, en tout cas, déambuler entre guillemets. Lorsque tu arrives quelque part, effectivement, pour ce monde de la jeunesse et ce monde des clubbeurs la nuit, tu es à pas peur. Par contre, il faut imaginer, contrairement à ce qu'on peut penser du milieu de la nuit, le jour, Mathias Murator est présent, il est chef d'entreprise, il est levé, il travaille, ce qui lui permet d'exister la nuit. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire... Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce qui me permet d'exister la nuit. La nuit, la marque c'est la marque qui existe. Ce n'est pas Mathias. Mathias, c'est le jour. Ah donc, tu différencies la nuit et le jour. Ça n'a rien à voir. Donc est-ce que le slogan que j'ai entendu une fois dire « Ce qui se vit la nuit ne se vit pas le jour » est un slogan que tu t'appliques et qui est exact ? Que je m'applique et qui s'applique, je pense, à tout le monde. Et qui s'applique à tout le monde. D'ailleurs, ça revient dans la voix de plusieurs personnes, mais je pense que tu as un peu la paternité, d'ailleurs, de ce slogan. No comment. Alors, écoute, en tout cas, on va se retrouver dans un moment après une page de musique pour continuer à parler de la marque, de la collection et des projets, peut-être. Ah, avec plaisir. Oui. Et des projets, il y en a. Et des événements sur lesquels il y aura ces projets, on en parlera aussi. Oui, mais je crois que il y a des dates, je crois. On n'a pas un projet commun aussi, je crois. Je crois. Tout ça, c'est des surprises. Il va falloir rester bien à côté de votre ordinateur ou de votre iPod ou de votre téléphone portable. Je suis arrivé trop tard hier soir pour entendre le projet. Tu crois vraiment que deux heures, tu auras assez? Non, on n'en aura pas assez, mais il faudra revenir régulièrement pour continuer à débattre de ce sujet fort intéressant qu'est le milieu de la nuit. Principalement aujourd'hui, nous parlons de la marque à vapeur et de son créateur Mathias. On le retrouve d'ici quelques minutes. La musique au rendez-vous, c'est sur Radio Topside tout de suite. Retour du son disco avec, cette fois-ci, ça sera Garry's Gang, souvenir de l'année 1978, avec le Keep on Dancing. C'est tout de suite, c'est pour vous sur Radio Topside. À tout de suite.